Re les amis, donc nous voici dans la seconde série de la seconde série, la seconde partie de notre mission 6 où nous sommes toujours sur Arnhem où les Britanniques essaient de reprendre leur dépôt de munitions et je pense qu'ils vont y arriver, ça continue. J'ai réparé tous les véhicules, j'ai réparé tous les Nebelwerfer et tout ce qu'il y avait. Parfait, ils ont pas réussi à le capturer. J'ai réussi à réparer les Nebelwerfer qui sont ici, les défendre comme je peux, réparer le véhicule là et lui aussi. Donc prêt à lancer l'assaut. J'ai quelques unités d'ennemis dans le coin, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, je sais qu'il y a un 88, il y a deux 88. Peut-être là. Alors le sac de sable il est sûrement là et l'autre normalement il est censé être là. Mais ce n'est pas sûr encore. Donc, ok, bon. Personne pour défendre ce point, ça je capture. Et c'est parti. En même temps, ça me permet d'économiser un peu de ça pour aller bombarder les 88 et toute autre unité qui essayerait de me tomber sur le coin de la gueule. Alors par contre, ce que j'ai aussi prévu, c'est que j'aimerais bien deux unités là, une unité là à nouveau. Parce que comme je défends mes Nebelwerfer avec elle, en tout cas pas toi, comme je défends mes Nebelwerfer, j'aurai besoin de force de frappe en plus. Parfait. Ça, c'est fait. Toi, on va te réparer le temps que les autres sortent. Toi, tu me sers à rien, j'aurais bien voulu. Toi, tu vas me servir de reconnaissance, tiens. Parce que certes, je peux faire d'appel d'unité, mais en l'occurrence, il me sert pas à grand chose. Il va me servir peut-être à refaire le plein d'unités sans les replier à la base. Oh merde, il faut que je garde. Je peux pas l'envoyer en reco. Je vais le laisser là. Et essayer de faire la médaille qui sera dégommer les péniches, si je me souviens bien, qui sont là. Donc ça, on le fera après. Mais là, pour le moment, on va essayer d'attaquer ce coin-là et sécuriser ce point-là. Donc avoir les deux objectifs primordiaux avant l'attaque du pont, hein, qui est la capture de ce bidule-là au milieu d'un pont, pour m'expliquer ce que ça fout là. Et voilà. Donc, lui, je pense qu'on va le laisser là. Même si c'est un très bon véhicule d'infanterie, lui va rester sur place. Ce qui aura forcément un moment, ils vont essayer de nous tomber sur le coin de la gueule, donc... Voilà, mes deux sections de grand... Ah bah tiens. Ils essayent de revenir. Ça... Ils vont avoir une sacrée belle surprise, voilà, ils passent l'angle. Surprise! Donc il y a eu vraiment de l'harcèlement comme ça de la part des unités britanniques, hein. Je tiens à préciser. C'est pas figuratif ce qui se passe là, il y a eu vraiment... Pas quelque chose aussi fort, mais il y a eu vraiment quelque chose du même type. Donc, faut vous imaginer quand même que les Britanniques savaient que c'était encerclé, savaient et attendaient le 30e corps, mais n'étaient pas au courant que le 30e corps avait été anéanti quasiment et stoppé, donc le 30e corps devait faire plus de chemin, et c'était un gros bordel pour eux, donc... Voilà. Ça a été une putain de guerre, comme le disent beaucoup de soldats. Donc toi, t'attaques ça. Aïe, il m'a fait mal, hein. Pareil. Hop. Toi, je veux réparation immédiate. Quoi qu'il me tire de... Ouais, une MG... Ah non, c'est pas une... Si, c'est une MG. Ah ouais, c'est une MG qui me met au sol, là. Non, non, toi, tu... Alors, toi, tu te replies. Toi, tu restes sur zone. Pas bouger. Toi, tu... Non. Ah, toi, tu restes sur zone. Toi, tu te replies. Voilà. Ah, oh, punaise. T'as été chaud, là. Voilà. Ah, il re-attaque, il relance une attaque, il relance une attaque. Hop. S'occupe. Les grenadiers sont là pour ça, donc on va vraiment les laisser dans le coin. Du moment qu'on va leur couper, qu'on va leur mettre vraiment le couteau sous la gorge, entre guillemets, là, les alliés vont vraiment vont relâcher la pression ici. Très bien qu'on le calme avant qu'il... Voilà, qu'il capture. Merci. C'est bon. Je sais pas si vous entendez les klaxons dehors, c'est un peu le bordel en ce moment ici. Strasbourg, vol. Ah, il met. Ah là, hop, on répare. On va laisser le véhicule faire son boulot d'agression, hein, clairement. C'est une grosse agression qu'on a prévue là. Je sais plus ce qu'il y a comme unité exactement dans le coin, faut que je fasse gaffe. J'ai avancé mes unités à couvert, derrière le bâtiment à couvert. Ils m'ont remis en suppression. C'est bien, c'est repéré, voilà, comme une unité de basique. Et en fait, non, c'est une MG42. Je pense que c'est la mission qui fait ça, je sais plus. Alors,
pas d'unité ici, on va se déployer derrière le mur. Je sais pas si y a des unités là. Je n'ai pas d'unité ici, parfait. Ça coûte combien? 75, allez, j'autorise de mettre une mitrailleuse sur chaque Panzer 4. Même parce que j'en aurai des nouveaux qui vont arriver. Finesse. On agresse ça. Allez hop, on capture. Parfait, ils me l'ont pas eu. Cet obus. Cet obus. Mais cet obus de l'amour qui est parti. Ouh, ça fait mal ça. Ah, alors, on a 32 minutes. Oui, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Oh, on a le Hummel. Oh, on a un Hummel. Ah, un Britannique qui se rend. D'autres Britanniques qui se rendent. Ça va. Donc, je pense... J'augmente le son après, parce qu'on n'entend rien du tout en fait. Je viens de recevoir un rapport indiquant que des éléments de la 9e division blindée SS sont tombés aux mains de l'ennemi à Nijmegen. Les Anglais ont pris le pont. Tout ce qui sépare le camp Gruppeler du 30e corps, c'est une bande de route de 20 km sur l'autoroute 69. Il devient urgent de sécuriser les accès à la ville et de prendre ce fichu pont. C'est notre chance de les briser. Tous leurs ordres sont coordonnés depuis les bâtiments, de l'autre côté du pont. Sécurisez la zone et prenez ses positions. Faites vite. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Je crois que c'est compté. Arnhem est presque à nous. Je crois que le temps nous est compté maintenant. Donc là, on a pris la moitié de la ville, hein, quand on regarde quasiment. Ok, bon. Hop. Il arrive. S'il le loupe pas, il l'a eu. Parfait, ils ont plus de 88. On peut nous lancer l'assaut. On repifurque par là. Et on capture les positions. Normalement là les Britanniques devraient plus vraiment nous casser les pieds. On va pouvoir décaler nos Nebelwerfer et les mettre dans l'ancien pot de, l'ancien dépôt de ravitaillement britannique. C'est quoi qui me tire dessus là? Oh, il vient d'où lui? Jamais se presser parce que sinon on va toujours faire des erreurs à ce moment-là. Le mortier vient avec nous. Ça, tu te mets là. J'ai un Hummel, un Hummel. J'adore cette artillerie. J'avais le soutien du Hummel. C'est un canon d'artillerie automoteur. Un obusier SFH-18L30 de 150 mm monté. Ok, ici ça fait mouche. Hop. On va attaquer en fait clairement le... Ah, ils sont plusieurs. Alors, je cherche un véhicule en particulier et de l'infanterie. L'infanterie, je bougerai plus tard. Mais là, ce que j'ai besoin, c'est réparer pour toi. 27 minutes. Ça sera pas en un épisode. Hein. Je pense que je vais couper un peu plus court celui-là. Que je puisse pouvoir vous donner un peu de contenu quand même, parce que là en 20 minutes je pourrais le bâcler, mais comme on est à quasiment à peu près 10 minutes là de vidéo, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on sera à peu près je vais essayer de couper en deux épisodes de 15 et je pense que ça serait amplement suffisant.
Garde le cap. Hop. Alors en tout cas non, vous allez plus loin. Toi tu captures ça. Allez, ça c'est fait. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu au dernier moment. Vous allez capturer ce qu'il y a ici. Allez, parfait. On a la médaille. Hop, nous avons la médaille. Alors par contre, j'ai augmenté le son de nouveau un peu. Musique, volume, oui. Speech, volume, c'est la parole. Donc master volume, on va un peu l'augmenter. C'est con qu'on n'entend pas mieux que ça les voix. Donc je sais pas si c'est moi qui fais ça, si c'est le mode. En tout cas, j'espère pas. Sinon, je suis désolé. C'est de nouveau trop fort. On va laisser là et on va plus y toucher. On va essayer de parler de la même intonation qu'avant. Alors, vous allez avancer. Je vais sortir toute mon infanterie. J'ai aucune infanterie anti-char. Je n'ai que des blindés basiques. Panzer 4. Mais j'espère pouvoir faire le poids face aux Britanniques parce que je crois que le 30e corps arrive. Des Anglais, ils retournent nos canons contre nous. Il est où le 88? Ah l'enfoiré! Repli, 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 repli immédiat. J'ai pile la portée. Alors t'as mon vieux là-haut, mais je vais te détruire. J'espère juste que les Nebelwerfer... Ouais, ça va, boum, boum, ouais. C'est bon, normalement je le mets à terre. Je l'ai mis à terre, ils ont plus de 88. Moi je pourrais le sécuriser au cas où. Hop. On essaie de s'emparer de la place où il y a la... Je pense que c'est la Vierge Marie, hein, je présume. Ah, quel bordel, on voit rien. Avance toi aussi. Toi. Ouf. Dès que je suis dans le territoire, j'améliore mes chars avec planque de blindage. On va détruire les postes de commandement alliés. Allez, allez. Alors ici on passera pas, mais ici on passera. Panzer 4, main le tigre, passe en avant. J'ai eu les Américains, c'est bon. Un peu trop lui par contre, il est sur le pont. Heureusement que le pont n'est pas destructible. On peut pas détruire le pont. Voilà, hop, on récupère toutes les munitions possibles et imaginables, ça peut toujours être utile. Ah, je pourrais essayer de le bâcler. Oh bon, ça va, c'est... Non, je me suis trompé, il y avait une DCA, mais il n'y avait pas de ça. D'accord, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, on va neutraliser ça. On va stopper l'artillerie. Toi. On frappe là. En attendant. Il va être proche d'une base ou d'un bunker de réparation. J'avoue, je n'ai pas l'envie de les ramener. Hein. Ça, c'est mon... C'est le petit problème. J'ai pas spécialement envie de ramener mes unités. On va les mettre ici, sûrement, les unités d'artillerie. Et le Hummel, on va le mettre là. Hop. On va essayer d'avancer. Essayer de spotter un peu ce qu'on peut. On va essayer de tout faire ce qu'on peut. Hein, j'ai loupé un appel encore. Mais c'est ma... Voilà, excusez-moi. Hein. Hop. Tac. On est à 20 minutes de nouveau d'épisode, si je me trompe pas. Bientôt 20 minutes. Vers 27, on sera. Donc je pense que quand il nous restera 20 minutes avant, je couperai. Et je verrai combien de minutes il restera pour faire la fin d'épisode. Hop. Toi. Au molle. Comme t'es là, tu vas t'occuper du bunker. Parce que c'est le bunker qui va me causer le plus de problèmes en étant ici. Hop.
Ah oui, c'est ce que j'ai prévu, t'inquiète pas. Hop, on va rouler là. On va casser tous les petits trucs, au moins ils seront dans la merde. Et maintenant, repli. Et avec les Nebelwerfer, on va pilonner ici et ici. J'ai deux, j'aimerais bien avoir trois si possible. Ah bah excusez-moi la Nishison, je bourre. Hop. Ici c'est bon, là-bas ça sera quasi bon. Vous pouvez remonter là-haut. Vous êtes tous remontés là-haut. Toi, on t'améliore et tu remontes. Ça me coûte cher en amélioration, hein, mais normalement il me reste un Panzer 4. Et on remonte aussi. Let's go. Hop, on va avancer sur le pont en fait et le tigre servira de rempart à... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, Sherman! Bonjour Sherman! Et ça c'est l'avant-garde, hein. Hop, Stuka. Ah, ils l'ont vu. Ils sont mes Panzer 4. Ah, ils sont un peu à la bourre et un peu loin. Ouh, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? On capture. Alors, on va essayer de capturer le point qui a plus en arrière. Je suis pas sûr qu'il y a des unités, on va voir. Hop. Hop. On va essayer de te réparer le tigre le plus rapidement possible. Des Sherman, toujours des Sherman, tant mieux. On va mettre des bombes SB2 Butterfly ici, ça me coûte un peu cher, mais... Voilà, tu me l'as largué, j'allais dire. Ok. Repli, j'ai dit, ça sert à rien. Là, on vient de se faire laminer. Hop. Ah, on est à delà de 20 minutes. Bon. Pour ceux qui connaissent, un pont trop loin, comme je l'ai dit, les alliés ont été passés. Donc, je compte recouper ici. Même si ça fait un épisode qui doit faire 15 minutes à peu près. Je sais que c'est court. Je le conçois. Aïe, qu'est-ce que tu fais, le Panzer 4? Voilà. Je conçois que c'est court. Je conçois que c'est même très court, hein, ce que je viens de faire. Mais, là, on doit avouer que j'ai pas trop le choix. Si j'aimerais avoir un peu près un contenu qui sera propre, quelque chose qui sera propre pour tous, j'ai pas vraiment le choix. Je veux juste voir est-ce que c'est possible. Oui, c'est possible. Toi, tu bombardes là. C'est un ordre. Toi, tu avances avec les unités. Tu vas te mettre ici. Vous avez pris un peu cher. Ah, bah oui, c'est vrai, je suis bête. Faut que je fasse attention avec mes infanteries maintenant, parce que je ne peux pas en ressortir d'autres. Faut bien que l'obus tombe pile dessus. Bon. Oh, tiens. Alors, toi. Non, on va surtout réparer toi en priorité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent le film Un pont trop loin, on a à peu près la même vue, hein, des chars allemands qui sont là, qui ont détruit des Sherman américains qui essaient de traverser le pont. Donc, je vous dis à toutes dans la dernière, je pense, dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. C'est toujours Geoff68. Merci à tous et à plus. Allez, ciao.